aujourd'hui, je sais pas si tu es déjà venu chez nous, c'est que on a de la famille qui m'aide à travailler dans les rabières, mais on vend tout notre sirop en vrac dans les barils pour aller à l'extérieur. À comparer une rabière familiale, ça va être juste la famille qui vont travailler tout ensemble, mais moi, c'est plus industriel que familial. Mais j'ai de la famille qui vient de m'aider, par exemple, sa fin de semaine. Ma question. Peux-tu envoyer ça, mon Rémi? Ouais. Votre rabière est-elle c'est une rabière familiale ou industrielle? C'est une rabière industrielle. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu es déjà venu chez nous, c'est que on a de la famille qui m'aide à travailler dans les rabières, mais on vend tout notre sirop en vrac dans les barils pour aller à l'extérieur. À comparer une rabière familiale, ça va être juste la famille qui vont travailler tout ensemble, mais moi, c'est plus industriel que familial. Mais j'ai de la famille qui vient de m'aider, par exemple, sa fin de semaine, tant qu'avant le COVID, il y en a qui ont eu la chance de venir, oui, tout le temps la famille avec moi, tout ça, mais ils sont là pour m'aider pour sa fin de semaine. Excellent. Puis, comme toi, là, la différence, mettons, entre industriel, familial, considérerais-tu que comme tu vends tes produits à d'autres gens, puis ça, y a-tu possible d'aller sur le commerce puis se procurer tes produits ou? Bien, c'est ça. Mes produits, moi, dans le local des magasins, je n'en trouverai pas parce qu'il y a d'autres producteurs locaux. Non, je vais replacer la table. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? C'est Juliette. Qu'est-ce qu'il me parle? Rien, c'est moi. Ma question. Peux-tu envoyer ça, mon Rémi? Ouais. Votre rabière est-elle c'est une rabière familiale ou industrielle? C'est une rabière industrielle. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu es déjà venu chez nous, c'est que on a de la famille qui m'aide à travailler dans les rabières, mais on vend tout notre sirop en vrac dans les barils pour aller à l'extérieur. À comparer une rabière familiale, ça va être juste la famille qui vont travailler tout ensemble, mais moi, c'est plus industriel que familial. Mais j'ai de la famille qui vient de m'aider, par exemple, sa fin de semaine. Tant qu'avant le COVID, parce qu'il y en a qui ont eu la chance de venir, oui, tout le temps la famille avec moi, tout ça, mais ils sont là pour m'aider pour sa fin de semaine. Excellent. Puis, comme toi, là, la différence, mettons, entre industriel, familial, considérerais-tu que comme tu vends tes produits à d'autres gens, puis ça, y a-tu possible d'aller sur le commerce puis se procurer tes produits ou? Bien, c'est ça. Mes produits, moi, dans le local des magasins, il y a d'autres producteurs locaux qui sont plus familiales. Les autres, je donne sa chance ça d'aller dans les magasins locaux. Puis moi, je suis plus industriel. Je n'ai pas le temps de tout le temps tester les produits pour fournir les magasins. Fait que je vais vendre des produits à mon érablière. Je vais faire des parties de tir salées le dimanche après-midi. Mais qu'il y a le COVID, c'est pas là. Mais... Je suis pas dans les magasins, mais je fais tous les produits comme des cônes, la tire, du beurre, du caramel, puis j'empaque du sirop. Puis du sirop, on peut en avoir à l'année. Les gens, quoi, ce qu'ils vont faire, ils vont me contacter, puis je vais ils en procurer. J'ai tout le temps du sirop à l'année. Mais okay. Quand on parle de produits comme du beurre, de la tire, puis tout ça, c'est des produits qu'après que le soleil et le beau temps est arrivé, le monde arrête de manger ça. Fait que j'en fais durant l'année, mais du sirop, j'en ai tout le temps, il est tout le temps préparé. OK. Excellent. Intéressant, merci. Bernard, voulais-tu poser ta question? Ouais, je vais la poser. Est-ce que pour les pipes de pompage, c'est plus ça fonctionne avec une pompe ou par gravité? Okay. Quand on travaille, quand on va dans une compagnie industrielle, puis tout ça, puis beaucoup aujourd'hui les gros érablières, on va y aller avec un système de pompage. Au lieu d'aller à gravité. C'est que ça va multiplier le rendement à gravité.
je prends le côté que l'arbre va te donner. Tant qu'on met le système de pompage, on va descendre la pression atmosphérique dans l'arbre. Besoin des sacs? Pression atmosphérique, normalement, je pense que ça joue à l'entour de 13.1. Nous autres, on va descendre à l'entour d'en bas de moins 20. Ça va descendre la pression dans l'arbre, fait que ça va couler encore plus. Moi, j'ai tout le temps dit que ça coule 10 fois plus, mais je pense que c'est plus que 10 fois plus. Puis on prolonge la saison avec ça. Fait que moi, toute mon érablière est système de pompage. Tant qu'on a un système de pompage, on est capable d'aller chercher un petit peu plus bas que la ligne. Quand on va à gravité, l'eau faut que ça descende jusqu'à la cabane. Mais quand on travaille sur le système de pompage, on a du 5-16. Le 5-16, c'est le tuyau qui va jusqu'à l'arbre. C'est comme une grosseur d'une paille. Fait qu'on est capable de, si on travaille à, mettons, à moins 20 de mercure, les mois de mercure, on est à moins 20, on est capable de faire monter l'eau jusqu'à 20 pieds. C'est pas dans l'idéal, mais ça fonctionne. Mais à comparer, si tu prends un tuyau de 2 pouces, lui, il n'est pas capable de faire monter l'eau dans un tuyau de 2 pouces. Il faut que ça soit comme la grosseur d'une paille, puis avec du vacuum, on est capable de faire monter. Oh, c'est vraiment intéressant. Merci. Moi, je connaissais pas la différence entre les deux du tout, mais je sais que Bernard et eux autres ont une sucrerie familiale, puis il était un petit peu plus connaissant là-dedans, mais je suis contente d'en apprendre un peu plus là-dessus. Quand on parle de vacuum, il y a différentes grosseurs de pompe. Si on parle d'une érablière de 300 entailles, ils vont juste mettre une petite pompe à gaz ou une petite pompe à l'air pour faire baisser la pression, mettre du vacuum. Comme moi, je travaille avec des 10 forces et tout ça, des plus grosses pompes, mais ça va tout dépendre. La pompe va selon la quantité d'entailles. OK, oh, c'est super. Merci beaucoup. Thomas, je pense que tu es le prochain. Oui. Quels sont les coûts liés à une entreprise à ses récoltes en termes de matériaux et de l'entretien de l'érablière? Au niveau de Thomas, si on parle des coûts reliés, je n'ai pas les coûts exacts, mais si on va par entaille, quand on parle, on veut mettre une érablière, mettons le 2000 entailles, on va y aller à 1000 entailles, ça va se calculer mieux. 1000 entailles, tu calcules la cabane, la tuyauterie, les pompes de vacuum, les arabes, tout ça. Ça équivaut à peu près à 45$ l'entaille. Fait que si t'es 45$ fois 1000, ça veut dire que t'arriveras à 45 000$ pour 1000 entailles. OK. Ça, c'est vague. Si on met juste la tubule, puis tu fais. Mettons, tu mets juste la tubule, ça joue à peu près une douzaine de piastres l'entaille juste pour la tubule, plus les érables. Les érables, normalement, ça joue à peu près 10 à 15 piastres l'entaille. Si tu ajoutes une montagne, normalement, ça va jouer à l'entour de ça. OK. Mais en gros, là, si on met tout ça ensemble, ça vaut c'est à peu près 45 piastres l'entaille que ça coûte pour faire une érablière. OK. Ouais. Puis l'entretien, c'est sûr que l'entretien à tous les ans, on a de l'entretien parce qu'on a des vents qui, à l'automne, on a des vents dans l'été et des branches qui tombent. Fait qu'il faut lever nos lignes à tous les ans pour être sûr qu'ils ne sont pas en dessous de la neige tant qu'on les a de besoin. Fait qu'on passe tout le temps l'automne pour ramasser nos lignes pour ce qu'il y en a d'abord, puis on en essaie de réparer à l'automne. Ça, c'est-tu quelque chose qu'il faut vous nettoyer, toute la tubulure et ça? La tubulure, ce qu'on parle de nettoyage après saison, comme là, tout de suite, on a commencé, la saison est finie. Fait qu'on a commencé à nettoyer. Fait qu'on va insérer de l'aqua l'isopropylique, 70%. Puis, on désentaille. Fait qu'on enlève le chalumeau de l'arbre. On a envoyé à peu près 10 000 litres d'aqua l'isopropylique dans le chalumeau. Pas dans l'entaille, dans le chalumeau. Puis, qu'est-ce que ça fait? Tant que tu le démanges, puis le vacuum fonctionne, ça aille comme la sève qui était déjà là. Puis, l'aqua l'isopropylique, elle va rester dans la ligne en arrière. OK. Elle, ça va désinfecter tout l'été. À comparer, si tu laves avec du chlore, le chlore, éventuellement, va tomber en eau. Il n'y a plus d'efficacité. OK. Ouais. Puis, le chlore va geler, fait que, tandis que l'aqua l'isopropylique ne gèle pas. Ah, mon Dieu. Ouais. Intéressant. OK. Ensuite, je pense que c'est Alex. Ouais. Quels sont les avantages du métier de la sériculteur? Les avantages, si tu appartiens à ton érablière, moi je vois ça que tu travailles, tu es capable de travailler pour toi-même.
pour un employé qui travaille dans ce métier-là, il travaille à l'extérieur, il travaille dans la nature, puis il peut travailler à son propre. Il n'y a pas personne qui, comme mes employés, je ne suis pas un gars qui va pousser un employé parce qu'il n'y a pas un employé qui est en forme comme un autre. Fait que tu y vas à ton rythme. Fait que c'est sûr qu'il faut être en forme, mais souvent tu vas te mettre en forme au fur et à mesure. Parce qu'il y a beaucoup de marchage. C'est comme. Je ne sais pas si la question est posée à un moment donné, je ne pense pas. On a 40 000 entailles. Fait que sur 40 000 entailles, on a ça sur une superficie de 250, comme 400 quelques orques. Fait qu'il faut marcher toutes les lignes. Fait qu'il y a beaucoup de marchage. Ouais. Fait que l'avantage, c'est ça. Ça serait de travailler dans la nature, travailler à ton propre rythme. Puis il n'y a aucun stress. Il n'y a aucun stress dans ce métier-là. Absolument. Si. Jérémy, pour continuer dans la même lignée. Oui. Est-ce que certaines études sont nécessaires pour être acériculteur? Il n'y a aucune étude qui est nécessaire pour être acériculteur. Tu peux, si tu connais la personne, elle va t'engager. Si tu es vaillant, tu vas t'engager automatiquement. Mais si tu as une étude, il y a des études qui se donnent au Québec pour être acéricole, c'est sûr que tu vas avoir un avantage en avant de tout le monde, parce que tu vas connaître le principe de l'entoyage, l'installation de la tubule. Tu ne seras pas comme quelqu'un qui rentre dans le bois et qui ne sait pas où ce qu'il va. Fait que si mettons, je te demande de faire telle tâche, tu vas savoir comment faire cette tâche-là. À comparer, si tu rentres, tu commences à travailler moins, là, je te mets avec quelqu'un d'autre, tu vas apprendre au fur et à mesure. Puis souvent, c'est ça que les gens font, ils apprennent, on va dire, sur le tas, là. Fait que non, il n'y a pas de, pour répondre à ta question, non, il n'y a pas, les études ne sont pas nécessaires pour ça. Mais si quelqu'un va, c'est sûr qu'il y a un avantage là-dessus. Le salaire est meilleur que la personne qui n'a pas. Absolument. Merci beaucoup. Rémi? Ouais, c'est quoi la motivation de devenir un acériculteur? La motivation pour devenir un agriculteur, ben, c'est qu'une personne aime travailler à l'extérieur, elle aime travailler pour soi-même. Il va avoir sa propre motivation, il va travailler pour lui-même. Puis, pour travailler pour un autre, si on le voit comme un employé, la motivation d'être ça, c'est que tu travailles à ton rythme, tu travailles, tu es tout seul. Tu n'as pas un patron qui est tout le temps derrière de toi et qui pousse tout ça parce que tu vas à ton propre rythme. Fait que, comme là, aujourd'hui, moi, j'ai deux employés qui sont là. Moi je ne suis pas là. Je les laisse aller. Ils savent pas ce qu'ils ont à faire. Fait qu'ils n'ont pas tout le temps de patron sur leur talon qui les watch. Si la job est bien faite, ça va numéro un. Parce que toi, Jamie, tu as un autre job à temps plein. Oui. Oui. Je t'en voulais assez plein de temps. Fait que comme ambulancier, moi, je fais comme 60 heures par semaine tout le temps. Puis, j'appartiens à la compagnie intitulée Corribo qui fait des plats, il fait du bois de chauffage. Puis, j'ai une autre compagnie qui est dans le bas de la province au niveau des poules pondeuses. Fait que j'appartiens à 10 000 poules pondeuses en bio, qui sont bio. Fait que j'ai pas juste mon arrière, fait que je peux pas être là tout le temps pour suivre mes employés. Mm-hmm, exactement. Prochain, après Rémi, c'était Myliane. Est-il préférable d'habiter près de l'érablière? Ça dépend comment est-ce qu'on parle. Habiter proche de l'érablière, comment loin? Est-ce qu'on parle d'une coupe d'heure, t'es un petit peu trop loin? Si tu parles d'une demi-heure, c'est faisable. C'est sûr qu'il y a des temps de l'année, dans le temps que ça coule, faut que tu passes des nuits à l'érablière pour bouillir ton eau. Si c'est pas bouilli, c'est pour laver ton osmose et tout ça. Fait que tout le temps quoi faire. Fait que si tu restes loin, ça a un désavantage. Mais si au moins tu peux au moins te reposer à ton érablière, ça prend au moins ça. Oui, c'est excellent. Cassandra, elle a une question pour toi, sauf que tu l'as comme répondu un peu, je pense. Cass, peux-tu la relire? Oui, ce sera bon. Combien d'employés avez-vous et quelles sont leurs tâches?
Donc, là, je sais que tu as comme dit que tu en avais deux, mais en pleine saison, mettons, en as-tu plus ou... C'est ça, tout de suite, j'en ai deux. Cette année, j'ai travaillé un petit peu avec un petit peu moins d'employés si j'en avais pas. Normalement, je travaille à peu près à 4 à 6 employés saisonniers. Puis j'en ai pas mal deux qui sont là 6 mois par année, comme au début, puis vers la fin. Fait qu'on est à peu près à 5 à 6 employés saisonniers. Comme là, c'est ça, j'en ai juste deux, j'en ai pas pu en avoir d'autres. Puis la saison a fini un petit peu plus vite, fait que je devrais être capable de les garder jusqu'au mois de juin. Puis mon but, c'est de les garder à peu près 6 mois par année. OK. Parce que ça t'offre à peu près 6 mois, le temps qu'on calcule, la préparation, l'entoyage, le désentoyage, le lavage, tout ça. On a l'ouvrage à peu près pour 6 mois par année à 3 employés, mais j'ai besoin d'un surplus d'employés dans le temps que ça coule. OK. Qui t'offre à peu près un mois. Okay. Parce que tant qu'on travaille sur vacuum, comme on parlait tantôt, c'est tant qu'on a un vacuum, on va avoir un circuit qui est étanche. OK? Fait que si tu veux monter ton vacuum à moins 25, il ne faut pas qu'il y ait de fuite dans la montagne. C'est pas en cause du vacuum que tu n'as plus d'ouvrage à faire. Oh, je ne sais pas si vous m'avez perdu, là. OK, excusez. Fait que c'est pas à cause que tu as du vacuum que tu n'as pas d'ouvrage à faire dans la montagne. Je pense que tant qu'on a du vacuum, on a encore plus d'ouvrage à faire dans la montagne parce qu'on veut monter notre vacuum le plus haut possible ou le descendre le plus bas possible pour avoir plus de rendement. Fait que c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à tout. Oui. Absolument. Ouais, c'est à peu près de 4 à 6, tout dépendant le monde que je peux avoir. Mais durant la saison, tant ça coule, c'est là que j'ai besoin de plus de monde. OK. Puis en lien justement avec la saison, Thomas, est-ce que tu veux enchaîner avec ta question? La saison 2021, as-tu été bonne? La saison 2021, pour moi personnellement, n'a pas été bonne. Vous allez entendre parler que ça a coulé beaucoup cette année. Oui, ça a coulé beaucoup. Je ne peux pas répondre pourquoi que ça a coulé beaucoup. Là, c'est... Ça a coulé beaucoup, mais l'eau n'était pas sucrée. Je pense que ça vient un petit peu plus tard dans la saison. Comment ça prend d'eau pour faire un gallon de sirop? Je vais vous répondre un peu tôt. Fait que cette année, le taux de sucre, il n'était pas là. Fait que, on a eu beaucoup d'eau, mais il y avait moins de sucre dans l'eau. Il faut-tu bouillir plus à ce moment-là? C'est ça l'avantage d'aide familiale et d'aide industrielle, c'est qu'on ne bouille pas l'eau qu'on n'a pas besoin de bouillir. Fait qu'on a des osmoses, on a des osmoses inversées. Puis l'osmose inversée, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève l'eau qui n'est pas bonne, qui n'a pas de sucre dedans, qu'on appelle du filtre. Puis ça, on va jeter ça là ou on va la garder pour laver des membranes puis tout ça. Puis on enlève à peu près 90 % de l'eau qu'on n'a pas besoin de bouillir. Fait qu'on ramasse de l'eau qui est à peu près à, je vais dire, une moyenne à 2 %, puis on va le monter à 20 %. Puis après ça, on va, après ça, le bouillage va décoller de 20 % jusqu'à 66 %. Pour l'avoir en sirop, on veut l'avoir à 66 % du sucre. On appelle ça 66 Brix. OK. Ouais. Fait que pour cette année, la saison a été ordinaire, mais c'est pas juste la saison parce que ça n'a pas été, ça a bien coulé, mais il y a un peu de notre erreur là-dedans. Comme tantôt, on parlait d'entoyage. Tant qu'on vient pour faire l'entoyage, il faut faire attention tant qu'on entoye. Les employés que j'avais cette année, ils n'ont pas fait tout à fait assez attention. C'était des nouveaux employés, c'est pas leur faute. Je pense qu'il faut que je blonde ça sous moi plus que parce que je n'étais pas un bon patron. Fait que j'ai pas pu les suivre de proche. Mais c'est un peu de ma faute. Fait que tant qu'on entaille, il ne faut pas entailler trop près des trous parce qu'il y a une zone. Quand tu as fait un trou dans l'arbre, il y a 18 pouces en haut et 18 pouces en bas de ce trou-là, que la saison d'après, que on appelle ça de l'aubaine, le bois, qui est mort. Donc, si tu viens entailler trop proche de ce trou-là, tu vas perdre du rendement. OK. OK. Fait que normalement, ce qu'on va faire, nous autres, l'année qu'on entaillait, on passait un trou. L'année d'après, on tassait de 3 pouces. On descendait de 3 pouces, puis notre trou était là. OK. Là, ça fait 21 ans que je suis en affaire là-dedans. Fait qu'il y a 21 trous après l'arbre. Fait que les trous sont fermés. C'est ça, ils n'ont pas tout à fait fait attention pour des vieux trous qui sont déjà là. Fait qu'ils ont rentré dans du bois qui était mort. Ah, OK. Fait que là, c'est ce qui a nuit, dans le fond, à la production 2021. Ça nuit à la production 2021, oui.
OK. Mais c'est intéressant. Si qu'il y a un de mes élèves qui veulent s'enligner là-dedans, ils prennent des petites notes en considération. C'est ça. Fait que, Myriam, veux-tu poser ta prochaine question? Ouais. Combien de gallons d'eau d'érable est-il nécessaire pour fabriquer un gallon de sirop? OK. Ça varie beaucoup. Ça, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de gens qui ils disent que ça prend 43 gallons d'eau pour faire un gallon de sirop. Mais la réponse n'est pas ça. La réponse est plus... Il y a une formule là-dedans. C'est, si vous, la personne garde 86 dentaires, fait que si, mettons, comme cette année, je vous dis, l'eau n'était pas sucrée, OK? Fait qu'on garde 86, puis on va diviser par le taux de sucre. Parce que si je prends de l'eau qui a 0% de sucre, ça va prendre 86, puis si tu n'en sortiras pas, tu vas sortir zéro. OK? Okay. Et si tu sors, mettons, de l'eau à 1%, OK? 1%, ça veut dire que ça va se prendre 86 gallons d'eau pour faire un gallon de sirop. Mais si tu pognes ton eau à, pas 43, si tu pognes à 2% de sucre, ça va t'en prendre la moitié moins. Ça fait que tu vas diviser ton 86 par 2, qui va être 43. C'est là le chiffre magique, le 43, parce que la moyenne est à peu près à 2% de sucre durant la saison. OK. Comment tu dis ça? C'était ma prochaine question. C'était quoi le pourcentage moyen que le taux de sucre? Ça joue, comme moi, là, ça joue à peu près à 2%. Mais okay. On peut monter à... J'ai déjà monté à 3%. Fait que si tu prends 86, tu divises par 3, ça va prendre 28 gallons. 28 gallons et demi pour faire un gallon de sirop. OK. Normalement, dans le milieu de la saison, là, on va jouer dans 2,8. Mais quand on commence la saison, on est à peu près 1,4. Puis là, la saison avance, on va monter jusqu'à 2,83. Puis tant que la saison finit, on tombe en descendant. Fait que là, tant qu'on parle de moyenne, on parle de à peu près 2%. Puis cette année, on est en bas du 2%. OK. Ouais. Parfait. Fait qu'on regarde, on garde le chiffre 86 dans la tête, on divise par le taux de sucre. Fait que c'est ça qui va vous donner comment de gallons de sirop que ça prend. Comment de gallons d'eau que ça prend pour faire un gallon de sirop. Excellent. Fait que si on veut décider d'entailler quelques érables autour de la maison, ça va prendre plusieurs chaudières pour réussir à faire quelque chose qui fait du bon sens. C'est sûr. C'est bon. Ensuite, Jérémy, finalement, Jérémy, on va passer par-dessus parce qu'il nous l'a répondu avec combien d'entailles? 40 000, je pense? Non? 40 000 entailles. 40 000. C'est beaucoup. Oui, mais 40 000 entailles, je peux te faire un résumé là-dessus. 40 000 entailles, on n'a pas ça, parce que je pense que je ne l'ai pas vu dans une autre question, là. On n'a pas ça dans une place. 40 000 entailles, ça veut dire qu'on a à peu près 100 entailles à l'orgue, une moyenne, 100-150 entailles à l'orgue, fait qu'on a ça sur une superficie d'au moins, comme je te disais tantôt, 400 orgues. Fait qu'il y a des stations de pompage. Puis ça ne coule pas toute la cabane. J'ai 26 000 entailles que je suis obligé d'aller de l'eau avec un camion jusqu'à la cabane. Puis combien de stations de pompage? Je sais que Bernard avait sorti cette question-là, mais je la vois pas. Combien de stations de pompage que vous avez? Stations de pompage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec la cabane. Wow! Ouais. Puis il y a deux. La cabane, c'est sûr que je n'ai pas besoin de l'aller. Puis après ça, il y a une autre station, j'ai pas besoin d'aller aller. Fait que les autres, ça veut dire que j'ai 5 stations que je suis obligé d'aller là, là à propos. OK, quand même. Puis juste pour une autre question qui n'est pas là-dessus, juste pour te dire qu'un entaille peut donner un gallon d'eau par jour. Oh, wow. OK. Quand les bonnes coulées, là, on peut aller jusqu'à un gallon, un demi-gallon à un gallon par jour. Fait que ça fait, si tu as 40 000 entailles, il faut que tu sois prêt à pouvoir ramasser 40 000 gallons d'eau. Wow. Ouais. Ça doit être dans la forte saison, j'imagine. Ouais, ça, c'est dans la forte saison, oui. OK. Puis je vais vous dire plutôt la question un petit peu plus tard, quand est-ce que c'est la forte saison? Oui. Parfait. Numéro 12, c'était Raphaël, mais vous l'avez répondu aussi. Depuis combien de temps vous pratiquez la sériculture? Fait que c'était 21 ans, je pense que vous aviez dit. C'était 21 ans. OK, parfait. Fait que Thomas, veux-tu aller avec ta prochaine? Considères-tu que ça vaut la peine de se lancer dans le domaine d'acériculture? Et puis, avez-vous des conseils?
Ça vaut-tu la peine? Ça dépend tout le temps le rendement de l'érablière. Il y a des érablières aujourd'hui qui vont faire des très bons rendements. Ils vont faire du 4-5 livres à l'entaille. Il faut que tu y ailles selon le rendement de l'érablière. Ça, le rendement de l'érablière, c'est basé selon la grosseur de l'arbre, la santé de l'arbre. Si tu fais du 4 livres à l'entaille, oui, c'est correct parce que tu vas payer ton 45$ de l'entaille pareil. Puis tu vas aller chercher du 4 livres. Fait que si tu calcules, mettons, 4 livres à l'entaille, puis je vais faire une moyenne, ça veut dire que tu vas aller chercher à 3$ de la livre, fait que tu es capable d'aller chercher, mettons, 12$ de l'entaille. À comparer une arabière qui fait 2 livres à l'entaille, il va aller chercher, mettons, il va d'habitude aller chercher son 5$ de l'entaille. OK? Fait que ça dépend tout le temps par rapport à l'érablière, comment est-ce qu'il est allé situer, sur quel versant, c'est côté nord, il y a des années qu'elle coule beaucoup moins, parce que à ce qu'il y a tout le temps au frais, à comparer à le versant sud, mais ça dépend, comme je vous dis, beaucoup sur le rendement de l'érablière. OK. Mais c'est plus quelqu'un qui commence de zéro, il n'y a pas de mise de fonds, c'est sûr que c'est dur parce que ça coûte, c'est très dispendieux. OK. C'est excellent. Merci beaucoup. Ça nous donne des petits coups de... des petites pistes, hein, savoir on se lance-t-il là-dedans ou qu'on se lance pas là-dedans. C'est sûr de commencer si vous en avez une. Si vous avez, des terres qui ont de la pierre, c'est pas nécessairement de vous lancer en affaires, c'est d'y aller tranquillement. D'en faire un petit peu pour soi. Tu vas en apprendre... Au fur et à mesure, tu vas apprendre à comment ton érablière fonctionne, les rendements de ton érablière. OK. Excellent. Myliane, veux-tu enchaîner avec ta prochaine? Oui. Quelle est votre année la plus productive? Puis c'est quoi les plus belles conditions pour avoir une belle saison dessus? Mon érablière a produit la meilleure année, était 2,5 livres. 2,5 livres, comme je viens juste de vous expliquer, moi, mon érablière, c'est une jeune érablière, fait que les érables sont un petit peu moins grosses, puis une érable, on décolle d'à peu près 8 pouces. Moi, quand j'ai commencé 21 ans passé, ils m'ont fait entailler de la 6 pouces. Mm-hmm. Mon vendeur, il disait, suffit qu'on change de chalumeau, on était capable d'aller avec un le chalumeau était plus petit, était 52% plus petit, fait qu'on était capable d'aller à 6 pouces. Mais c'est pas vrai, c'est que 6 pouces, un arbre, c'est trop petit. Fait qu'on okay. commence à l'entour de 8 pouces en montant, puis même si c'est terre de la couronne, c'est 9 pouces. Oh. Fait que ma meilleure année, moi, était la première année en 2000. C'était ma première année. Fait que souvent, quand on fait la première année, l'érablière, l'arbre n'a jamais coulé. Fait qu'on dit que l'érablière est vierge, fait qu'elle va couler un peu plus. Fait que souvent, les premières années sont les meilleures années de l'érablière. OK. Puis, c'est quoi, pour répondre à l'autre question, quoi, la meilleure condition idéale pour avoir une bonne saison de sucre? C'est d'avoir une bonne température. Puis si on ne sait jamais ça d'avance, pas trop de neige. La neige, ce que ça va faire, ça va isoler alentour de l'arbre. Fait que tant qu'on parle qu'on a 8 pieds de neige dans la montagne ou 6 pieds de neige, il y a trop d'arbres. Il y a trop de neige. Fait que avant que la neige s'est toute fondue, que l'arbre s'est dégagé, on est rendu trop loin dans la saison. Fait que là, les chaleurs sont là, les bourgeons sortent. Fait que ça ne fonctionne pas. Mais avant une année qu'il y a 3 pieds de neige, 3-4 pieds de neige, tant que ça commence à fondre, l'arbre se dégage tranquillement, la saison avance. Comme cette année, c'était une super de bonne année pour ça. L'érable se dégageait vite parce qu'il n'y avait pas de glace dans la neige. Mais on a besoin de la température, comme la nuit, il faut que ça gèle. Il faut que ça descende en bas de moins 1, mais il ne faut pas que ça gèle trop fort. Puis on veut le jour que ça réchauffe. Mais il y a beaucoup de monde qui pense, tant qu'ils ont vu le beau soleil, puis fait plus 15 dehors, et ça devrait couler. C'est l'inverse. Ça ne coule pas. L'érable, il fait trop chaud pour l'érable, puis l'érable arrête de couler. OK. C'est les bourgeons qui veulent sortir. Fait que les bourgeons, c'est pareil comme si le bourgeon dit, moi, j'ai besoin de la sève pour produire mon bourgeon, fait qu'il la garde pour lui. Fait que le meilleur temps, c'est que c'est tant que ça a gelé la nuit, puis le lendemain matin, ça dégèle, le soleil peut sortir, mais il faut qu'elle se couche et ça vient nuageux. Fait que les journées nuageuses à plus 5, plus 6, c'est les meilleures. Deux semaines passées, nos plus 20 qu'on a connues, c'était pas l'idéal. Là.
c'était pas utile. Pas utile okay. pour nous autres. Non, non. Fait que c'est ça. Puis la qualité de sirop, la qualité de sirop n'est pas là parce qu'il fait trop chaud. Puis je vais juste prendre une note. Je ne sais pas si la question vient, là. Je vais parler de la qualité. OK. Bon. Jérémy? Oui. Est-ce rentable, même hors de la saison, à circuit? Bien, pour moi, non. Parce que tant que la saison finit, j'ai fini. J'ai vendu, je suis industriel. Fait que je vends à la fin de la saison. Fait que pour moi, c'est pas rentable parce que je ne vends pas de produits. Le petit peu de produits que je vais vendre à la maison, hors saison, c'est pas rentable pour moi. Mais la personne qui travaille une érablière familiale, elle va vendre ses produits à partir de la maison. Elle peut faire des produits à valeur ajoutée. Fait qu'elle, ça peut être rentable à l'année longue. Okay. Plus que c'est plus payant, c'est tant qu'on fait de la valeur ajoutée avec nos produits. Mm-hmm. Absolument. On va parler, sur un autre, il y a des questions qui me viennent tout le temps. On parle des valeurs ajoutées, plutôt, je vais vous expliquer comment chaque produit est fait. Parfait. Alex, veux-tu enchaîner avec ta prochaine question? C'est quoi les risques et dangers de ton métier? Ben, les risques, c'est qu'on n'a pas une bonne saison. Si on investit, mettons exemple, 1 million dans les rabières, puis ça, on a des coûts d'opération durant la saison. Puis on a une mauvaise année. Mettons, on a trop de neige, on n'a pas la température idéale pour la saison. Le risque de là, c'est que de pas pouvoir payer tes paiements. C'est ça le plus gros risque. Et on joue avec la nature, c'est agricole, fait que on ne sait jamais ce qu'on va faire. Mm-hmm. Fait que le risque, c'est de pas... Que ça soit rentable, finalement. Que ça soit pas rentable, ouais, ou que il y a quelqu'un, le feu, la foudre peut mettre le feu dans le bois et tout ça, qu'on parlerait de notre rabière. Oui. Fait qu'on pourrait pas produire. Fait que c'est pas mal ça, le risque. On joue avec la nature, fait qu'à chaque année, on dit, on va attendre de parler le monde, ce sera pas une bonne année cette année. Je peux même pas le dire d'avance, ça sera pas une bonne année, parce qu'on attend tout le temps à la saison des sucres, si ça va être bon ou pas bon. Mm-hmm. Fait que... Super. Oui. Rémi? Rémi, t'es-tu là, Rémi? Oui, OK. Non, je t'entends pas. Je pense que ton micro est pas ouvert, Rémi. Ah, c'est correct, Rémi. Je vais poser ta question. C'était où c'était le temps de l'année que l'érable était, la qualité de l'eau d'érable était à son meilleur? OK. Souvent, on voit ça, la qualité de sirop. On va voir ça pas au début de la saison, pas loin des premières semaines de saison, là, c'est là qu'on va voir ça. L'eau, il faut que tu traites ça comme du lait. Okay. Si il fait frais, l'eau va se conserver. Mais si il fait chaud dehors, il y a des bactéries qui vont se développer, puis on va parler de la qualité dans notre sirop. Quand on parle de qualité de l'eau, c'est tant qu'il fait frais, mais tant qu'on parle de qualité de sirop, parce que le sirop est classé selon la couleur. Il y a beaucoup, plus qu'il est clair, plus qu'ils vont nous payer. Okay? Mais ce n'est pas en cause qu'il est plus clair qui va être le meilleur sirop. Le meilleur sirop pour moi qui a du goût, parce qu'on souvent quand on mange du sirop, on va au goût. C'est un sirop qui est plus foncé, qui est classé, mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de sève dedans. Parce que tant qu'on arrive plus vers la fin de la saison, les bourgeons y arrivent, il y a de la sève qui vient, là, ça donne un goût qui est plus, il est plus amer. OK. Je pense que m'avais perdu, là. Oui, c'est pas grave. On t'entend plus. Fait que, il y a un sirop qui est plus amer, puis ça brûle au niveau de la gorge. Tant que ça brûle au niveau de la gorge, ça veut dire qu'il y a de la sève dedans. OK. Fait que, mais au niveau qualité, si on parle de prix, c'est le sirop qui est le plus clair. Puis si on parle de goût, c'est le sirop qui est le plus foncé, qui a plus de... Il y a plus de goût de sirop. Le sirop va varier selon le goût de l'érablière à l'eau. OK. Parce que le type de sol n'est pas pareil. Puis
ça va changer le goût. Puis, si, mettons, que vous avez une petite érablière familiale, vous n'avez pas d'osmose, vous ne séparez pas votre eau, ça veut dire que vous allez bouillir votre eau plus longtemps. Vous allez aller chercher un goût que moi, je ne suis pas capable de donner dans mon sirop. Fait que votre sirop va être encore meilleur que le mien au niveau du goût. Ça ne veut pas dire que le mien n'est pas bon, mais c'est au goût, on va chercher un autre goût qui est plus érable. Oui, c'est différent. C'est différent, oui. Fait que chaque érablière a comme leur propre goût de sirop. OK. Ouais. C'est vraiment intéressant. Raphaël? Est-il nécessaire d'avoir des employés? Oui, surtout avec 40 000 entailles. Normalement, on va dire 10 000 entailles, ça prend un temps. T'as quand même l'air que tu roulais, toi, là. On parle de vaches sous-vacuum. Si on a des chaudières, on ramasse ça en main. 10 000 entailles, je pense que ça va t'en prendre plusieurs employés pour faire des tours de 10 000 entailles à tous les semaines là, pour ramasser les chaudières. Si on dit un érable coûte un gallon par jour, ça veut dire que tu as une chaudière de 2 gallons à tous les 2 jours pour que tu passes ramasser ton eau. Ça fait que ça va te prendre plusieurs employés. Fait que normalement, on évalue ça un employé par 10 000 entailles. Quand même. OK. Puis notre dernière question, Cassandra. Combien de temps ça prend pour vider un bassin d'eau? OK. Pour vider un bassin d'eau, il y a différentes grosseurs de bassins aujourd'hui. On peut avoir des bassins de 10 000 gallons d'eau à cette heure. C'est des piscines. Fait que si on prend, je vais te donner un exemple de. Comme moi, dans mon érablière, j'ai un bassin de 4 000 gallons. J'ai des bassins de 4 000 gallons d'eau. Fait que ça a 16 pieds de long, ça a 6 pieds d'eau, puis ça a 8 pieds de large. Mmh. Ça contient 4 000 gallons d'eau. Tout dépendant de l'osmose, parce que c'est l'osmose qui fait toute la job, ça va prendre à peu près 1h30, 2h à concentrer, parce que je vais le concentrer, je vais le décoller à 2 % mettons une moyenne de 2 % je vais le monter à 20 % Dans 1h30, 2h, je n'ai plus. Il est vide. Fait que ça va m'avoir donné à peu près 3,60. Parce que ça, moi, je ramasse à peu près 3 gallons minute, à peu près, là, quand je concentre. Là. Fait que 3,60, 180. Ça va me sortir à peu près 4000 gallons d'eau comme à 360 gallons de concentré. Après ça, c'est prêt à bouillir. OK. Intéressant. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, ça a fait le tour de nos questions qu'on avait ciblées, moi puis les élèves. Mais je sais que là, tu t'es rajouté un petit point qui pourrait peut-être bien nous servir, donc ça pourrait être intéressant pour nous autres. Ouais. Là, je vais vous expliquer. La question n'a pas été posée, mais je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on va chercher de l'eau. Parce que là, les questions ont été posées. La question n'a pas été posée, comment est-ce que l'eau rentre dans la cabane et à les étapes à suivre. Fait que moi, je vais vous expliquer les étapes qui se passent au niveau de comment est-ce qu'on l'emporte dans la cabane, puis après ça, avec sous-vacuum ou pas vacuum. OK. Fait que c'est ça. Nous autres, on commence à entailler au mois de janvier. Fait qu'à chaque mois de janvier, on va à chaque arbre, on va passer un trou dans l'arbre à bonne place. Comme je vous ai expliqué tantôt, c'est très important. Fait qu'on va passer l'arbre à chaque année. Puis après ça, quand même que ça se mette à couler, on va starter l'évacuum. Puis l'eau va se rendre dans la cabane avec le tuyau 5 cents. C'est un petit tuyau bleu ou de couleur souvent. Ça vient dans nos mains d'un pouce, puis ça descend au transport en bas dans le 2 pouces, puis ça rentre dans la cabane. Quand ça rentre dans la cabane, il faut que ça rentre dans un relâcheur. C'est une grosse teinte bleue qui est sous vacuum. Fait que ça garde le vacuum dans la montagne en tout temps. Puis tant que la teinte est pleine, ça va se vider dans notre teinte. Fait que ça, là, l'eau d'érable est rendue dans la cabane, elle est rendue dans la teinte. Mais après ça, comme je vous ai dit tantôt, l'eau est à peu près à 2 % en moyenne. Mais on ne bouille pas ça là parce qu'on est industriel. Fait qu'on peut la passer dans l'osmose inversée. Fait que après ça, on le pose dans l'osmose inversée, on va le monter à 20 % de sucre. Après ça, il monte en haut, au deuxième étage, pour descendre la gravité dans la bouilleuse. Mmh. Fait que là, il descend dans la bouilleuse, il va être plus chauffé dans le cheminée en arrière. Il va tomber dans les pannes à pied en arrière. Il va bouillir pendant une demi-heure en arrière. Puis, c'est un chemin, ça.
ça fait comme trois zigzags dans les pannes en arrière. Ça prend à peu près une demi-heure avant qu'il tombe dans les pannes de finition en avant. Dans la panne de finition, c'est là que le goût, on va chercher le goût du sirop. OK? Là, après ça, tant qu'on, tout dépendant de la pression atmosphérique, on va setter nos thermomètres 7 degrés en haut du point d'ébullition. Ça veut dire que l'eau, elle bouille à 212 degrés Fahrenheit ou 100 degrés Celsius. Nous autres, on travaille en Fahrenheit. Fait que, on va setter 7 degrés en haut de ça. Ça veut dire 212 plus 7, ça veut dire que tu es rendu à 219. Fait qu'on va setter nos thermomètres à 219, puis ça va couler dans un bain-marie. Là, tant qu'il coule dans le bain-marie, je veux que mon sirop, c'est à 66% de sucre. Fait que je vais faire ça, je vais calibrer pour là-dessus que je suis à 66. Si mon sirop est trop, est à 68, je vais baisser mon degré de température, je vais la baisser un petit peu, puis elle va sortir plus claire pour l'emporter à 66. C'est là que le sirop se conserve. Après que c'est sorti, après ça, on veut le filtrer. Fait qu'on va le passer dans une presse à sirop. Puis après ça, il va tomber dans un baril. Là, il est prêt à être consommé. Fait qu'après ça, vous passez à l'embouteillage. Après ça, on va l'en passer à l'embouteillage. OK. Ouais. Puis l'autre affaire que je voulais vous expliquer, au niveau de valeur ajoutée dans tout ce qu'on peut faire avec du sirop, on va embouteiller du sirop. Après ça, on fait plus avec, on prend le sirop, on va le bouillir 25 degrés en haut du point d'ébullition. Puis après ça, il va être prêt à aller à sa neige. Oh, wow. On va mettre sa neige ou dans des plats pour manger à maison. Okay. Puis après ça, on a notre beurre. Le beurre, c'est la même affaire que la tire, mais le beurre, ce qu'on va faire, on fait comme un autre beurre, on va le fouetter. OK. Fait que c'est juste le procédé du fouettage puis le refroidissement qui va donner notre beurre. Puis du sucre. Du sucre, lui, il va être... j'ai pas les degrés parce que j'en fais pas beaucoup de sucre, moi, là. On va bouillir à... je pense que c'est 10 degrés de plus que le beurre, okay, que la tire, parce qu'on veut le cristalliser. Mm-hmm. Puis on va le brasser. Okay. Puis on va le chauffer tranquillement, puis on va le brasser. Puis là, lui, il est assez haut en sucre qu'il va vouloir se cristalliser. C'est un peu comme la tire. Si quand vous prenez de la tire dans des plats, souvent, il va commencer à faire du sucre. C'est à cause qu'il a bouilli un petit peu trop. Puis ça ne prend pas grand-chose. Un demi-degré va changer. Puis tant qu'on commence à brasser dedans, à aller chercher une cuillère, ça fait cristalliser. OK. OK. Puis après ça, on a notre caramel, qu'on fait du caramel. Ça, c'est le seul produit qu'on fait à la maison que... qui n'est pas 100% sirop d'érable. On rajoute du sirop de maïs un peu dedans, puis on rajoute du Eagle Grain. OK. Puis on mélange ça tout ensemble, ça fait notre caramel. OK. Mais à la base, c'est quand même les produits d'érable. À la base, c'est du sirop d'érable, oui. Excellent. Fait que c'est pas mal ça. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions qui ont à poser, je serais ouvert. Est-ce qu'il y en a d'autres entre vous qui auraient... des questions qu'on n'avait pas posées ou que des questions qui vous êtes popées à la tête dans le temps de la conversation que vous aimeriez ajouter? Non? Bon. Ben écoute, je pense qu'on a quand même fait le tour. Je te remercie énormément pour ton temps. C'est vraiment apprécié. Moi, ça vient conclure mon module de la sériculture. Tu sais, moi, je suis pas d'érablière, je suis pas entourée non plus de gens qui n'en font. Ça fait que t'es invité, c'était le meilleur bête pour moi, puis j'apprécie énormément. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. En espérant que les années prochaines, on puisse se rendre à ton érablière. Vous allez être les bienvenus. J'espère vous aussi. Ben merci beaucoup. Sur ce, je te laisse aller, puis encore une fois, merci beaucoup. De ma part et de la part de toutes mes élèves. OK, merci. Bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée. Bye-bye.